C'est une Chevrolet Bel Air Sedan Sport, équipée d'un moteur 6 cylindres en ligne, d'une cylindrée de 3,9 litres. C'est un modèle qui a été fait pour l'exportation. C'est pas un modèle qui a roulé aux États-Unis. Elle a été, on va dire, arrivée en boîte en Belgique. Elle a été assemblée en Belgique, dans une usine General Motors. Et du coup, c'est ce qui explique que le moteur est un 6 cylindres. Souvent, les modèles prévus pour les États-Unis, c'était des modèles 8 cylindres. Voilà. Donc, c'est une voiture que j'ai achetée il y a déjà. C'était un vieux rêve. Hein. J'ai acheté la voiture il y a 29 ans. Volkswagen T1 de 1967, je l'ai acheté il y a 9 ans et depuis on roule avec, il a eu pas mal de restaurations, la carrosserie a été refaite, moteur changé, boîte de vitesse refaite et moi j'ai restauré tout l'intérieur. Et c'est un vrai bonheur et on dort dedans, on a dormi cette nuit avant d'arriver ici. Alors, je m'appelle Bertrand Géry, je dessine des voitures depuis à peu près 5-6 ans. Donc ça a été au hasard sur les véhicules anciens de Buenou. Donc moi ma spécialité c'est de travailler en direct un peu comme ça, sur le vif, et donc de croquer les voitures anciennes ou plus ou moins anciennes, enfin même très modernes. J'adore l'automobile, passion pour le dessin avant tout. Ce qui m'attire aussi c'est des détails qu'on retrouve plus dans les voitures modernes, des petits détails, ça peut être un petit bouton de porte, voilà, des choses étaient dessinées différemment en fait.